En général, tu mets combien de temps pour faire une tonnelle? C'est variable. Une semaine? C'est variable, semaine, mais ouais. Ça dépend quand même beaucoup de... Là, par exemple, sur celle-ci, après, ça dépend de la distance par rapport à chez toi, ça dépend de, du temps. Météo. Du temps aussi, ouais. Là, cet après-midi, il va faire très chaud à cet endroit-là, donc tu viens le matin. Oui. Ah bah, 30 degrés, regarder en l'air et le casque de soudage, ça devient l'enfer. Ouais. De toute façon, on va pas travailler. Oui, oui, je sais. Ouais. On va pas travailler l'après-midi. Hein. Ah oui. Je vais essayer de piger tout ça en soudé. Hein. Mais je suis emmerdé là. Je vais essayer de couper avec ce disque là. C'est les aléas. Les aléas du chantier. J'ai acheté des disques, je pense qu'ils sont devenus. Dans le camion. Ah non, parce que j'ai déjà... Ils sont pas dans le local là en bas où tu avais laissé tes... Ben, j'ai regardé dans les caisses, y a rien. Bon. Je vais essayer de couper avec ça, sinon je continuerai à souder. Il y a la protection, du coup une protection. Parce que ça va couper. Montant sur la meuse avec tout. Faut être un peu contorsionniste. Ouais. Essaye de couper carrément derrière le fer, quoi. Pour pas que ça se voit. C'est de la précision. Thank you.
lequel, celui-là. Là, le client avant, il avait quoi? Il avait des parasols, il avait... Oui, mais... Parce que... De toute façon... Là, ça tape, là, hein? Des parasols, voilà, il y a du vent. Et puis, là, sur la toiture depuis quelques années, et la plupart du temps, ils s'envolent avant. Ça peut mettre... Il y a toujours une rafale qui t'emmène le parasol. Alors, il est foutu. Eh oui. À l'école des Beaux-Arts à Bourges, tu faisais des choses en métal? Non. Non. Céramique. Vous alliez à la borne? Ah oui. À Bourges, à l'école des Beaux-Arts aujourd'hui à Bourges, il y a une bulle. Ah oui, c'est vrai. Je suis même arrêté une fois. Je suis allé la voir. Ça n'a jamais été terminé, c'était. C'était un exercice sûrement. Oui, oui. C'est du... Ça m'avait surpris. Oui, elle est remisée, c'est dommage. Mais je l'ai vu dans la cour, elle est remisée, oui. Puis l'école n'était pas ouverte, sinon j'aurais bien arrêté. Essayer de savoir qui avait fait ça. Allez, encore mêler. Ça, c'était soudé.
Est-ce qu'il y a une tonnelle que tu préfères? Une tonnelle qui peut-être a été difficile, ou parce qu'il y a le lieu, ou parce qu'elle est extraordinaire, elle est plus grande, elle est... Ou une tonnelle que tu as eu le plus plaisir... Elles ont toutes quelque chose. Eh oui. Ouais, j'aime bien la première parce que c'était vraiment gonflé. C'était vraiment gonflé de faire ça. Je savais pas du tout si ça allait marcher. Ça fait 35 ans, donc c'est bon. Mais personne, un ingénieur, ça lui dresserait les cheveux. Sur la tête. Tout ça grâce à la double courbure, sinon ça marche pas. Quand est-ce qu'on va la voir, la première? Ah, c'est loin. Hein. C'est à loin, c'est loin. Tu y penses? Faut qu'on aille la voir 35 ans après. Ouais. Il y a peut-être 200 kilos de raisins tous les ans. Ah bah en plus, faut qu'on y aille au mois de septembre. Oui. On la relève des tonnelles est quand même assurée. Oui. Ah, le piston en Bretagne. Aïe. Écoute, je reviens une fois pour finir. Antonio, je te remercie beaucoup de... Ah. Oh là. Ah. Le vent là devient... Ouais. Ça devient dur de couper. Je te remercie beaucoup parce que c'est une très très belle tonnelle. Et... Ah bah là, c'est vraiment particulier. Configuré pour le... Le lieu, et puis là j'arrive au bout, quoi, mais j'ai encore une bonne demi-journée là. J'ai quand même coupé presque toutes les barres qui se recouvraient, et il me reste tout le bord de la nervure là, j'en ai pour, comme ce matin, quelques heures. Sinon, bah, la conception, c'est bon là. Il n'y a plus qu'à finir.